South Christian comes up trailing Bishop Moore just by 3 points. 5 minutes to go, first quarter. Stegenga on the baseline, nice feed inside to Baker. That's an easy 2 points. If you're going to guard Stegenga, Baker's going to be open. A little bit of a flurry here. South having trouble with its half-court offense. Stegenga inside. Whoa! Missed the basketball, making his presence felt. Beating the man defense and inside for the solid two. Borges back within four. Stegenga got inside. Thought about dunking it, laid it in instead. Stegenga with four. Now they're back in a man. Stegenga from 16. Ooh, that is pretty. Made it look rather easy, didn't he? Son nom ne vous dit probablement rien. Matt Stegenga a été sacré champion NBA dans les années 90 avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Mais c'est un bien étrange chemin qui l'a mené jusqu'à cet honneur suprême. La carrière NBA de Matt Stegenga tient en 4 statistiques. 2 matchs, 12 minutes, 3 points, 1 titre de champion. Improbable destinée que celle de cet enfant du Michigan, star au lycée et à l'université, qui avait des rêves de NBA grands comme ça et a dû les ranger au placard avant de les ressortir quand tout le monde l'avait oublié. Tout le monde moins une personne. L'histoire de Matt Stegenga est de celle dont aurait très bien pu s'enticher un mauvais scénario hollywoodien pour culminer sur un happy end si peu crédible qu'il flanquerait tout le film par terre. Sauf que dans son cas, tout est vrai. Avant d'être un anonyme, Stegenga a été une idole. Au lycée, d'abord, à la South Christian High School, dans son Michigan natal. Sportif, complet et accompli, aussi doué pour le football américain que pour le basket, il finit par se fixer sur les parquets et affiche lors de sa dernière année des moyennes excellentes. 23,4 points, 10,3 rebonds et 4,2 passes. Lors d'un match, il cumule même 43 points, 19 rebonds et 10 passes pour un phénoménal triple-double. Sacré Mr. Basketball, meilleur joueur de l'état du Michigan, il est incorporé dans le top 20 des meilleurs lycéens du pays en 1988, aux côtés d'Alonzo Mourning ou Shawn Kemp. Pas vilain. Pour ne rien gâter, son physique de beau gosse renforce sa popularité. Son passage à la fac ne fera rien pour diminuer sa popularité. Dans la prestigieuse université de Michigan State, Stegenga devient un joueur clé au poste 3 quarts, où sa polyvalence fait merveille. Très apprécié du mythique coach Jude Heathcote, il évolue notamment aux côtés de Steve Smith, qui deviendra un joueur prolifique en NBA avec 3 saisons à plus de 20 points de moyenne à Miami puis Atlanta. Après une brillante saison junior, Stegenga voit toutefois ses stats reculer lors de sa dernière année. Quand il se présente à la draft en 1992, il doit du coup attendre la fin du deuxième tour pour entendre son nom. Malheureusement pour lui, il va tomber au mauvais endroit, au mauvais moment. Chicago. Les Bulls au sommet de la NBA, après avoir décroché leur deuxième titre consécutif, n'ont pas de place pour un rookie comme lui aux côtés de Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant et les autres. Il s'accroche pourtant, et ce sera un des derniers joueurs coupés lors du camp d'entraînement au mois d'octobre. Un regret pour le général manager Jerry Krause qui s'est pris d'affection pour ce super gamin. Très vite, le rookie comprend que son avenir n'est pas à Windy City, et comme les offres ne se bousculent pas, à l'instar de beaucoup de joueurs, s'ouvre alors devant lui une vie de bourlingueur. Matt Stegenga effectue d'abord une pige en Espagne, à Vitoria, en janvier 1993. Puis, il retourne aux États-Unis en CBA, la Ligue 2 du basket US, chez lui, à Grand Rapids. Ce sera ensuite l'exil au Japon, où il restera 3 saisons avant un retour en CBA en 1996-1997. À 27 ans, l'ancien Spartan vit de son métier, mais sans doute assez loin de ses glorieux rêves de jeunesse. Il en est là quand au printemps 1997, sa vie va prendre une drôle de tournure au détour d'un simple coup de fil. Après l'élimination de son équipe lors des playoffs CBA, Stegenga rentre chez lui, à Milwaukee, à 2 heures de route de Chicago. Comme il s'ennuie un peu, il a l'idée de passer un coup de fil à Jerry Krause. Les deux hommes ont toujours gardé le contact et à l'été 1996, Krause avait invité son ancien choix de draft à refaire un test à Chicago. Ce vendredi 11 avril, Stegenga laisse donc un message au boss pour savoir s'il serait possible d'avoir 2 billets pour assister à un match de playoff des Bulls en compagnie de sa fiancée, Jennifer. « Je n'avais rien à faire », a-t-il raconté au Chicago Tribune à l'époque. « Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire un tour à Chicago et voir les Bulls ?»
Le lendemain matin, quand Jerry Krause le rappelle, il est loin alors d'imaginer ce qui va suivre. Et s'il ne connaissait pas aussi bien son interlocuteur, peut-être aurait-il cru à un canular. Plus de 20 ans après, il n'a sans doute pas oublié un mot de ce dialogue. Plutôt que de venir voir un match, si tu venais jouer à la place. Ok. Je dois pouvoir faire ça. Tu peux venir quand? Notre avion pour Détroit décolle dans 4 heures. J'arrive. Parfait, je prépare ton contrat. Tel Forrest Gump, Matt Steigenga peut témoigner que la vie, c'est vraiment comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce 11 avril, il s'emmerdait gentiment chez lui, cherchant un moyen de tuer le temps. Le soir même, il part à faire un contrat de 10 jours et 3 000 $ par match, le minimum salarial. Émolument anecdotique, il aura de toute façon payé pour venir. 5 ans après, il est cette fois tombé au bon endroit, et surtout au bon moment. À 5 matchs de la fin de la saison régulière, les Bulls, assurés de l'avantage du terrain tout au long des playoffs, n'ont plus grand chose à perdre, ni à gagner. Mais leur infirmerie déborde. Tony Kukoc est blessé, Dennis Rodman aussi, d'où l'idée de Krause, totalement saugrenue sur le papier, de faire appel au grand voyageur Steigenga pour compléter son banc d'ici les playoffs. Soyons clairs, les Bulls n'avaient pas un besoin impératif de signer un joueur, mais pour la première fois depuis la draft 1992, Jerry Krause sait que Phil Jackson a une place dans son roster. Il sait aussi que Michael Jordan a Steigenga à la bonne, atout non négligeable. Alors même pour 4 matchs sans grand enjeu, il ne pouvait pas ne pas saisir l'occasion de jouer les Pères Noël. Voilà comment le dimanche, 13 avril 1997, près de 5 ans après avoir été drafté, Matt Steigenga s'installe sur le banc du double tenant du titre lors du déplacement à Détroit. À 27 ans, il effectue ce soir-là ses premiers pas en NBA, joue 4 minutes et inscrit 1 point. Les Bulls s'inclinent à Auburn Hills, mais tout le monde s'en fout. Le lendemain, Matt Steigenga est la star. Jordan et Pippen se marrent de voir les journalistes s'agglutiner autour d'un des débutants les plus improbables de l'histoire de la NBA. « Je suis toujours sous le choc », dit la recrue en secouant la tête. « Pour moi, c'est juste une formidable opportunité. Ça devrait être sympa, on verra bien comment ça se passe. » Ça va même très bien se passer. Lundi 14 avril, Chicago joue à domicile contre Toronto. Steigenga patiente, la foule du United Center le réclame. Phil Jackson accède à la demande populaire et double même son temps de jeu par rapport à la veille, 8 minutes. C'est peu dire que Steigenga va en profiter à fond. Sur ces 8 minutes, exploit peu commun pour un joueur de son rang, il parvient à remplir intégralement sa feuille de statistiques. 2 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 interception. Chacune de ses interventions est saluée par le public, qui devient carrément hystérique quand Cool Matt inscrit le seul et unique panier de sa carrière NBA. Et quel panier! Sur une contre-attaque qu'il a lui-même initiée, grâce à son interception, Steigenga sert Steve Kerr. Le meneur des Bulls retrouve ensuite son ailier pour un alley-hoop conclu à une main. Foule en délire, banc debout, Jordan compris, le sourire qui plane sur les lèvres de l'ancienne star du South Christian n'a alors pas de prix. Pour l'anecdote, c'est sur John Long qu'il a réussi son contre. Peut-être l'action la plus extravagante de l'histoire de la ligue. Puisque si Steigenga était à des années-lumière de la NBA 48 heures plus tôt, Long, âgé de 40 ans, venait d'y remettre les pieds pour la première fois depuis 6 ans pour une pige à Toronto. Il est des rencontres qui ne se programment pas. La carrière en NBA de Matt Steigenga s'achèvera là, mais pas sa folle aventure avec les Bulls. Une fois les playoffs entamés, Kukoc et Rodman reprennent du service. Il n'y a plus de place, même au bout du banc. Mais à l'unanimité, tout le monde lui demande de rester. « Reste avec nous, on va te faire gagner une bague de champion », lui promet Jordan en personne. Steigenga intègre le practice squad jusqu'à la fin des playoffs, qui verront Chicago remporter un 5e titre NBA. Lors des entraînements, il prend son rôle très au sérieux, travaillant notamment ce tir longue distance qui lui a toujours fait défaut. C'est la seule chose qui lui a manqué pour jouer en NBA, juge Jerry Krause. Le soir, pendant les matchs, Steigenga se transforme en simple fan. « Je vis les meilleurs moments de ma vie », dit-il avant les finales contre le Jazz. Une fois le titre en poche, les Bulls vont tenir leur promesse. Jerry Krause fait fabriquer une bague de champion pour Matt Steigenga, comme pour les autres. 2 matchs, 12 minutes et une bague. Il aime plaisanter en disant qu'il possède plus de titres de champion sur son palmarès que Charles Barkley et Karl Malone réunis. La preuve que dans le NBA Circus, pourvu qu'on vous tende la main, le rêve n'est pas réservé qu'aux géants. Lui aura pris sa part, même infime. Les superstars au lycée deviennent parfois champions NBA,
Matt Steigenga aura été les deux. Mais pour relier ce point de départ et ce point d'arrivée, il aura emprunté les chemins de traverse plus que l'autoroute. Après sa drôle de carrière de basketteur, il est devenu un homme d'affaires avisé dans le Michigan, avec plusieurs coups juteux dans l'immobilier. Il est aussi un consultant fréquent dans les médias pour les matchs de Michigan State. Mais pour tout le monde, Matt Steigenga reste d'abord un champion NBA. 12 minutes lui auront suffi pour ça.